question très simple. Est-ce que vous voyez dans le projet de loi actuel des mesures qui attaquent directement les chasseurs? Là? Je parle de gens là, qui ont des intentions tout à fait correctes d'aller à la chasse sportive puis qui ont un certain type d'arme parce que ça correspond à la chasse qu'ils pratiquent. Selon toute vraisemblance, oui. Et M. Trudeau, comme les gens de police se souviennent, ont déjà dit qu'il pourrait y avoir dans la liste des armes qui ne doivent pas vraiment y figurer. Nous, ce qu'on a obtenu, on s'est devenu 8 séances, on avait demandé 2 séances pour revoir des experts qui étaient capables de faire la clarté, de donner de la clarté à l'amendement que les libéraux ont amené après la fin des audiences, qui était une liste absolument infinie et très complexe que le chasseur moyen ne veut pas ou ne peut pas aller consulter, et une définition qui ne suffit pas. Alors, le travail du législateur, c'est de définir des règles. C'est comme si le gouvernement disait, bon, on n'est pas capable de faire une définition. Faites votre travail comme il faut.